Les gars, c'est comment? Bienvenue dans ma nouvelle émission Vendredi, on se la pète. Votre émission qui vous donne la vitamine. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle la distraction. Qu'est-ce que la distraction? C'est un manque d'attention aux choses que tu devais s'occuper tous les jours. Donc, chaque jour, essaye de ne pas te distraire. Essaye de t'éloigner des choses qui peuvent te distraire en fait dans la vie, c'est ça. Donc, pour échapper à ça, il faut essayer d'avoir une occupation. Une occupation de faire quelque chose tous les jours. De ne pas être disponible tous les jours, par exemple. Et ça, ce qui te donne ça, c'est d'avoir la motivation de réussir. Il faut avoir la motivation de faire quelque chose dans la vie. Mais ne croise pas les bras tous les jours, non. Il faut essayer d'avoir une occupation. Et quelles sont les choses qui peuvent te distraire, par exemple? 1. La femme peut te distraire. Si tu es trop collant, toujours à la femme, tu es trop collant, ça peut te distraire aussi. C'est quelque chose qui peut te distraire. Tu ne dois pas être trop collant, par exemple, devant une femme. Les mecs qui sont collants devant une femme, c'est parce qu'ils sont distraits. Ils n'ont pas quelque chose à faire. Mais si tu es toujours occupé, tu es un homme qui a la confiance en soi, tu ne seras pas toujours derrière une femme pour parler avec elle, non. Parce que tu n'as pas le temps, tu es un mec occupé. Donc la femme peut te rendre distraire. Les réseaux sociaux aussi peuvent te rendre distraire. Si tu ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux, tu seras toujours distrait. Il y a certaines personnes qui utilisent. Tu peux utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, pour y travailler, pour y acquérir de l'expérience. Mais si tu ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux, tu peux être distrait. Il y a des applications qui peuvent te rendre distrait tous les jours. Si tu les regardes tous les jours, tu seras toujours distrait, mon gars. Donc, toute chose que tu fais dans la vie, il faut le faire avec intelligence. Il ne faut pas perdre ton temps sur n'importe quoi dans la vie. C'est ça. Il ne faut pas perdre ton temps pour faire n'importe quoi. Parce que le temps est précieux. Donc, essaie de ne te laisse pas te distraire sur certains détails. Non, non. Ne te laisse pas te distraire. Essaye chaque jour d'avancer dans la vie. Essaye chaque jour d'avancer dans la vie. Et vous savez, parfois, il y a certaines choses aussi qui peuvent te rendre distraire. Parfois, c'est la personne. C'est la personne. Par exemple, ton ami peut te rendre distraire. Si tu as des amis qui ne sont pas utiles envers toi, ils peuvent te rendre distraire parce que tu pouvais faire quelque chose et quand ils arrivent, tu seras distrait. Tes amis aussi peuvent te rendre distraire. Et c'est pour ça que c'est toi la personne qui doit prendre ta responsabilité aussi. Tu dois prendre tes responsabilités, mon gars. Parfois aussi, c'est la personne qui ne veut pas travailler. Et ça, c'est ça qu'on appelle aussi l'autosupposition. C'est ça qu'on appelle l'autosupposition. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, mais ton esprit ne veut pas. Même si les gens te donnent de l'argent pour que tu fasses ça, tu ne pourras pas faire ça. Parce que c'est ton esprit qui est ancré sur ça. C'est ça qu'on appelle l'autosupposition. Donc, parfois aussi, c'est la personne en propre qui ne veut pas faire quelque chose, qui ne veut pas avancer dans la vie. Donc, évite toute chose dans la vie qui peut te rendre distraire. Parce qu'un garçon ne doit pas avoir toujours du temps libre.
Parce que quand tu as toujours des temps libres, tu penses à aller faire des bêtises tout le temps. Et ça, c'est pas normal. Donc, ce que je te conseille, mon gars, c'est de ne pas être distrait. Évite la distraction dans ta vie. Essaye de réussir, essaye d'avoir de l'argent. Quand tu auras de l'argent, mon gars, après ça sera cool. Tu pourras te marier. Si tu n'as pas de l'argent, par exemple, et que tu veux te marier, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer parce que tu n'auras pas... Tu ne pourras pas même avoir un lieu où tu vas habiter, où tu vas amener ta femme. Parce que quand tu te maries, tu dois, par exemple, amener ta femme dans ta maison ou bien dans un studio, mais pas, par exemple, chez tes parents, par exemple. Non. Parce que là, tu ne seras pas trop à l'aise. Et tout ça, pourquoi je vous dis ça, c'était une parenthèse. C'est parce que je ne veux pas que vous soyez toujours dans la distraction. Et si tu es toujours dans la distraction, tu ne pourras pas réussir. Tes amis vont avancer, mais toi, tu ne pourras pas avancer. Et la distraction... tu la volonté de la personne aussi. Si tu es distrait, tu n'auras pas de volonté de faire quelque chose dans la vie. Et si tu n'as pas la volonté, tu ne pourras pas réussir. Donc évite la distraction. Évite d'être distrait tout le temps. Essaye de réussir. Mon gars, essaye de réussir. Essaye de creuser, d'aller plus loin dans la vie. Donc aujourd'hui, c'était ça le message, les gars. Le message, c'était que essayons de ne pas être distrait dans la vie. Évitons de ne pas être distrait. Évitons la distraction et travaillons. Trouvons-nous des occupations qui peuvent nous faire avancer dans la vie. Voilà, c'était Diabara, l'immortel, celui qu'on ne pourrait pas abattre. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Allez, peace, one love.